saba miniyamba saba ya kunu lelong saba miniyamba miniyamba duwa mandan lelong ye saba miniyamba saba ya kunu lelong saba miniyamba. Mes amis chasseurs, bonjour. Nous sommes au Sénégal, plus précisément en Gambie, un petit état africain, où j'ai le plaisir de vous accueillir et d'organiser une chasse en Gambie. Le camp s'appelle Campement Madiana. Je vais vous détailler la possibilité de chasser le petit gibier. Premièrement, le francolin, nous le chassons en devant soi avec nos pisteurs, qui nous pousse devant le francolin, qui nous permet de le décoller et de le tirer. Viens là, mets-toi un peu là. Viens, mets-toi un peu, voilà. Attends là. Trop dangereux. Bien Noël, il a eu le deuxième coup. Ah, ça courait. Bravo. Ouais, bravo. C'est pas si le premier coup, on l'avait pas levé un peu. C'est un peu, il avait reçu, ouais. Ben, le deuxième coup, il l'a bien fait bouler, hein. Il s'en allait, hein. Ah ouais, il filait. Rappelle l'année dernière, on en avait perdu, hein. Ouais, joli, hein. C'est joli. Oui, c'est joli. Oui, il est beau, celui-là. C'est la caille, Laurent. Bien, il boum. On a même pas vu tomber. Ganga, les Ganga, Ganga. Ah bon? Oui, Ganga. Ça y est, tombe. Mais là, il faut courir. Cours, cours. Attends. On se fait en tête. Bon. Oui, c'est bon, tombez.
Il courait pas encore ? Hein ? Il courait, non ? Non, celui-là, non. C'est les enfants qui ont arrêté de marcher. Non, celui qui était... Non, quand même. Il y a des jeunes, hein. Ça, c'est jeune. Ouais, ça, c'est des jeunes. Deux jeunes, hein. C'est assez mal. Ouais, ils sont beaux. Ah, j'ai un devant et un derrière. Doublé. Sur certains secteurs, nous cherchons également la pintade, une pintade qui est très difficile à repérer et très difficile à chasser, car très maligne aussi. On va aller du côté Karantaba, on va aller faire le petit coin à la colline et on revient en arrière. Hein? C'est bon? Ok, c'est parti. Allez. Ouais, vous avez fait la brin hier soir, non? Ils ont profité que les dames elles étaient au camp pour boire des canons. Simon, merci. En fin d'après-midi, nous vous proposons de faire une passée aux tourterelles sur 7 variétés différentes. Puis sur ces points d'eau différents aussi que nous avons des pigeons verts, pigeons reniers et tout en fin d'après-midi, les gangas, le ganga du soir. Thank you.
Ouais, il tombe. Non, non, non. C'est mal. Selon les saisons, nous trouvons aussi des canards casqués et des canards armés qui nous permettent de les chasser en fin d'après-midi ou très tôt le matin. Nous chassons le phacochère de deux façons différentes. Nous chassons le phacochère par une approche
sur des rizières ou sur les collines, et un affût qui nous permet de chasser très tard jusqu'à 7h, 7h30 le soir. Encore. Big. Tire Daniel. Big. Merci Daniel. Daniel, okay. Merci. Merci, yes, content. Merci. Ok. Merci, merci. Good, big. Mal. Big mal. Merci. Okay. Merci. Ok, chef. Merci Daniel. Daniel, merci. Ok. Content. Merci. 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 Merci, merci.
Bon, Jean-Marc. Ah, ouais. C'est combien de mètres ? Là, 94. Non, 98.
avons une excellente équipe de pisteurs, au nombre de 8, qui nous guide, qui nous repère et qui nous permet de tirer uniquement les mâles, car au campement Metana, nous tuerons que les mâles. Nous tuerons absolument pas de femelles. Précision faite, tout le gibier qui est tué par les chasseurs est consommé au niveau des chasseurs, préparé par un excellent cuisinier. Le restant est redistribué aux pisteurs, voire les villages les plus proches. Point important, nous avons possibilité de chasser deux espèces que les autorités gambiennes nous autorisent, le crocodile et l'hippopotame. Sachez que nous avons aussi la possibilité de vous faire pêcher sur le fleuve de la Gambie au Tiger Fish qui se pêche à la traînée derrière le bateau ou alors des gros poissons-chats qui se pêchent à fond. Par exemple, nous avons pêché il y a quelques jours en arrière un Tiger Fish de 57 cm de long pour 5 kg qui vous fait un peu voir la taille de ces bêtes qu'on peut avoir. Très belles bêtes. Attends, si tu touches le fil, tu vas me casser la vie. Vas-y, tire. Rentre-le, c'est bon. Bravo. Bravo les gars. Super. Big one. Big one. Big one. Yes. Ah, il est bien accroché celui-là. Ok. Attention les mains. Hein. Le campement Madiana a la capacité de recevoir 10 chasseurs sur 10 cases qui sont climatisées et avec des douches et des WC individuels sur un groupe de 35 AVA et du solaire. Nous avons un grand restaurant avec un bar qui nous permet de se restaurer et de nous rafraîchir en rentrant de la chasse. Pour nos déplacements sur nos différents sites de chasse, nous avons deux 4x4 L200 Mitsubishi en très bon état, ce qui est très important pour le client, qui reviennent pas fatigués de la chasse, qui peut redémarrer le lendemain matin en pleine forme. Certains chasseurs nous demandent d'organiser un pique-nique pour rester auprès de la nature en permanence. Donc nous organisons un pique-nique au milieu de la brousse et avec un bon repas que notre cuisinier nous a préparé, un repas froid qui nous permet d'être sur place et de repartir assez de bonne heure à la chasse le soir. How are you doing?
Devant la difficulté de transport d'armes, de plus en plus avec les transports aériens, nous avons la possibilité d'avoir des carabines sur place et des fusils en location qui permet de la tranquillité pour le transport. Maintenant, je vous propose de venir nous rejoindre sur le campement Madiana pour vous faire découvrir tout ce qu'on a pu vous transmettre dans cette vidéo. Saba miniamba saba ye kunuleleng.